Bonjour, bonjour. Vous le savez, c'est nouveau. Je n'attends plus trop pour faire, pour lancer le direct. En fait, pour parler. Quand je me connecte, j'ai besoin du maximum 1 à 2 minutes pour que les gens se connectent. Et puis bon, et puis je fais ma vidéo. Et je sais pourquoi vous venez vous connecter. Pourquoi vous êtes tous connectés? Par rapport au message, en fait, à l'annonce que j'ai faite hier concernant Aya. Donc, connectez-vous parce que c'est d'elle, effectivement, qu'on va parler. Donnez-moi une seconde. Souvent, il y a tellement à dire qu'on ne sait pas par où commencer. Ah, c'est du yoga, voilà. Il faut le yi, il faut centrer le yi, voilà, il faut centrer le yi. Faut recentrer le yi. Vous savez, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour réclamer respect. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour réclamer respect. Parce que j'ai vu des gens dire, oh, toi, tu ne te fais pas respecter, tu devrais te faire respecter. Mais bien sûr que je me fais respecter, je suis bien respecté. Mais vous savez, il y a une chose. Tu ne peux pas voir un fou dans la rue, et puis aller trouver ce fou-là, puis tu vas lui dire, respecte-moi. Ou bien tu penses qu'il va te respecter. Quel que soit ce que tu feras, le fou ne te respectera jamais parce que c'est sa nature de ne pas connaître la valeur des gens. Parce qu'il est dans un autre monde autre que le tien. Ça, c'est l'histoire du fou. Tu ne peux pas venir sur l'Internet en tant que blogueur. Et puis espérer que tous les blogueurs vont te respecter, même si tu es respectable. Non, parce que les gens ont reçu des éducations différentes. Les gens, il y a des prostituées sur l'internet et tout le monde sait que les prostituées n'ont pas de limites. Les prostituées, c'est des menteuses, c'est des voleuses, c'est des manipulatrices. Et donc, jamais tu ne vas demander à une prostituée de te respecter. La prostituée va te respecter jusqu'à ce que tu ne fasses plus son affaire. Tant que tu fais son affaire, elle va te respecter. Tu ne fais plus son affaire, elle te respectera plus. Donc on ne peut pas imposer le respect à une prostituée. On ne peut pas imposer le respect à une dévergondée. On ne peut pas demander du respect à une dévergondée, une mal éduquée, une fille qui a grandi dans la rue ou bien un homme qui a grandi dans la rue. Non. C'est ça le problème que j'ai avec certaines personnes sur les réseaux sociaux. Les gens croient que je leur demande du respect. Non. Il y a des gens à qui tu ne demanderas jamais du respect. Il y a des gens à qui tu n'imposeras jamais le respect. Parce que le respect, ils ne savent pas ce qu'il c'est. Parce que pour respecter autrui, il faut d'abord apprendre à te respecter toi-même.
Et c'est des gens, leur corps ne leur a jamais rien dit parce que leur corps a été toujours une marchandise qu'on peut manipuler, faire choses à souhait. Leur la honte, ils ne connaissent pas. Alors que nous sommes dans un système, dans un monde où la honte veut dire beaucoup. Nous connaissons la honte et cette honte fait que nous nous mettons des barrières, des limites que nous ne devons jamais dépasser. La honte fait que moi, je ne peux pas me mettre là devant vous en train de me masturber. Ça, c'est la honte qui m'interdit ça. C'est la honte qui fait que je m'impose ces limites-là. La honte fait que je ne viendrai jamais devant vous mettre une caméra pendant que je suis en train de coucher avec une fille. Et puis la caméra. La honte fait que je ne peux pas me le permettre. C'est une question d'éducation. Il y a des gens qui s'en foutent parce que la honte, ils ne connaissent pas. Hier, j'étais vraiment en colère quand je faisais ma dernière vidéo. Ma vidéo de 16 minutes. J'étais vraiment en colère, mais après, je me suis dit, mais attends, Bob, tu te fâches pourquoi? Tu te fâches pourquoi? Mais je voulais revenir carrément sur certains faits, sur certaines déclarations. On m'a taxé du fait que moi, je n'aime pas quand les gens sont avec des gens alors que moi, je suis en parable avec eux. Ah, c'est le premier point que je voulais soulever. Alors que les gens disent que moi, j'appelle Lolo Beauté ma petite sœur pendant qu'eux, ils sont en guerre avec Lolo Beauté et que si c'est moi, je n'allais pas le permettre, je n'allais pas l'accepter. Allez-y leur dire que moi j'étais proche, ils étaient proches de moi ici sur les réseaux sociaux quand eux ils sont allés créer organisation avec les Lolo Beauté et les Makoso. En ce moment j'étais en plein clash avec la famille Makoso. Allez-y leur dire ça. Apparemment ils sont amnésiques, ils ont oublié. Allez-y leur dire, même Yaka Yaka était dedans. Yaka Yaka était déjà proche de moi. Elle-même, Aya, je l'appelais déjà ma fille et leur groupe là. Ils sont allés faire groupe avec les Makoso, toute la famille de Makoso, alors que moi, j'étais en clash avec eux. En fait, moi, je n'étais pas en clash avec eux, mais en fait, eux et moi, on ne se loupait pas. Chaque fois qu'il y avait occasion, on se clashait. Et lorsque moi, je les prévenais, quand j'attirais leur attention sur un certain nombre de choses pour dire que votre amitié là n'ira pas loin, c'est eux qui venaient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que chacun choisit ses amis et que personne ne peut choisir les amis de l'autre. Je n'ai jamais répondu à ça. Mais dites-leur que jamais je n'ai arrêté de causer avec eux comme des frères et sœurs. Allez-y leur dire ça. Que malgré leur amitié pour la famille Makoso, malgré qu'ils se rendaient visite, malgré qu'ils se pavanaient sur les réseaux sociaux, malgré qu'ils faisaient tout, moi je n'ai jamais arrêté de parler avec eux. Je n'ai jamais refusé de prendre l'appel de un d'entre eux. Et je n'ai jamais cessé d'appeler lorsqu'il faut. Voilà comment moi je suis. Je ne choisis pas les amis des gens. Je ne dis pas que mes amis doivent être mes ennemis doivent être forcément les ennemis de tout le monde. Je dis simplement, il y a une chose que j'ai toujours dit. Je dis, si toi tu es ami à mon ennemi, de quoi vous parlez quand vous êtes ensemble? Parce que lui, il est mon ennemi. Et toi, tu es supposé être mon ami. Donc quand toi, mon ami, tu es avec mon ennemi, c'est pas une vidéo d'aujourd'hui. Ça y est là, hein, les vidéos sont encore sur ma page. Les mêmes paroles que je suis en train de prononcer maintenant, ça y est là. Si toi, tu te dis mon ami et que tu es l'ami de mon ennemi, quand vous deux, vous êtes ensemble, c'est de quoi vous parlez quand il s'agit de moi. Parce que lui, quand il va parler de moi, il va parler mal à moi. Il va parler mal de moi. Et toi, que vas-tu dire? Voilà ce que je dis. Mais par contre, eux, pendant que eux ils disent être en guerre avec Lolo, moi, je n'avais pas. Avant cela, pendant que moi, je faisais mes clashs avec la famille Makoso, moi, je n'avais pas encore rencontré Lolo. Je ne la connaissais pas. Je n'avais pas encore vu l'esprit de très près. Et je la clashais. Je la clashais parce que je me basais sur ce que moi je voyais.
Et je suis sur les réseaux pour recadrer les mauvaises mœurs. Et donc, Lolo faisait partie des gens qui heurtaient ma sensibilité. Elle faisait partie des gens qui exposaient, qui prenaient les gordes michées, qui suçaient les gordes michées. Et moi, je n'aimais pas ça, parce que c'est pas ce que nous devons laisser comme éducation. Et donc, ça fait que, à un certain moment donné, nos chemins sont croisés et nous sommes clashés. Mais j'ai compris une chose. C'est là où on reconnaît les gens de valeur. Dans les clashs, elles se défendaient. Mais en même temps, elles prenaient ce que je disais. Et moi, c'est comme ça, je suis. Quand je clash quelqu'un, quand je sais que tu peux comprendre et que j'ai parlé, puis je sais que tu as compris, je te lâche. Je l'ai fait avec Lolo Beauté. Je l'ai fait avec Eka. Je l'ai fait avec beaucoup d'autres. Quand je vois que le message est passé, je te laisse. Et je ne reviens plus dessus. Mais moi, mon blog n'est pas fait pour défendre les gens. Je n'ai pas créé mon blog pour défendre les gens. J'ai créé mon blog pour défendre des idées, des points, des thèses. Des points, voilà ce que je défends. Des thèses, voilà ce que je défends. Je ne suis pas là pour défendre les gens. Apparemment, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui, eux, leur blogging, c'est de chercher des gens à défendre. Ils ont forcé dans des gens pour faire amitié avec les gens, pour défendre des gens parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand vous n'avez rien, quand votre blogging n'a pas de contenu, vaut mieux vous taire. C'est mieux. Parce que quand tu vas faire, tout le monde entier ne deviendra jamais ton ami, puisque tu cherches des amis à défendre. Hier, yeah, c'était Eka qui était ton ami. Toi-même, tu as forcé dans elle. Elle est devenue ton ami. Tu l'as défendu mains et ongles. Et à cause de Eka, tu as voulu me clasher. C'est Yaka qui t'a dit de ne pas le faire. Yaka t'a dit clairement, si tu vas le clasher, c'est à tes risques et périls. Ne me mêle pas à tout ça. Le monsieur t'a rien fait. Il a clashé Eka. C'est Eka. Si elle veut, elle répond. Tu n'as rien à voir là-dedans. Il nous respecte, il nous aime bien. Laissons comme ça. C'est là qu'après, tu es allé enlever tes maquillages là. Si tu voulais rentrer en clash avec moi à cause de Eka. Peu de temps après, c'est toi qui as placé ta caméra, commencé à insulter Eka jusqu'à insulter son intimité, insulter ses enfants. La même Eka pour qui tu voulais te tchoum. Commencé à l'insulter. Voilà ton amitié, ça. Ça, c'est comme ça que toi, tu es ami. Ton amitié ne dure pas. Tu vois, sur l'internet, là, comme tu le disais si bien, personne ne parle mal que personne. Et moi, spécialement, quand je venais là, on dit Don Giovanni le slameur. Ça, c'est le nom que je me suis donné sur les réseaux sociaux depuis. Don Giovanni et puis le slameur. Les slams, c'est ma chose. Donc, tu peux slammer, tu ne peux pas slammer plus que moi. Tu ne comprends pas les slams. Les slams ne veulent pas dire grosse tête, gros nez, grosse bouche, gros pied. C'est pas ça, les slams. Les slams, c'est le décryptage en faisant tomber l'autre. Le slam, c'est ça. Tu décryptes la situation. Et puis, tu montres à l'autre que il vaut rien, qui n'est rien. C'est ça le slam. Toi, si jamais on te pose la question, quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Tu n'as aucun apport sur les réseaux sociaux. Si jamais, par exemple, je te prends un cas. Aujourd'hui, ce que José est en train de vivre et puis tout le monde est en train de tirer sur elle. Parce que c'est ton ami. Alors, tu estimes que c'est bon. Jusqu'à toi, tu dis que tu vas exposer les infidélités de Aline. Et tu as dit même dans ta vidéo que moi, je défends Aline. Tu vois, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne peux pas faire clash avec toi. Parce que tu n'es même pas capable de comprendre français
que je parle là, tu n'es pas capable de comprendre ça. Parce que toi, dans ta tête, moi, j'attaque les gens. Tu ne sais pas faire la parité entre attaquer une personne et attaquer les idées nuisibles d'une personne. J'attaque les idées, j'attaque les points, j'attaque les thèses. Je n'attaque pas les gens. Lorsque j'ai atteint mon point, je me retire. C'est en cela que tu m'as dit qu'il fallait absolument que j'attaque Edwige. Puis j'ai dit non. Je vais te dire pourquoi je n'ai pas attaqué Edwige. Et puis c'est pas toi qui me dis attaque telle personne. Toi, tu étais en guerre avec Edwige. Je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas où ça a commencé, mais tu étais en guerre avec Edwige. Et tu étais proche de moi. Quand je dis que tu étais proche de moi, ça veut dire que moi, je t'estimais beaucoup. Et tu attaquais Edwige malgré qu'elle était enceinte. Tu sais, tu ne le sais pas, mais je crois que si tu avais au moins un petit niveau, tu allais le savoir. Quand une femme enceinte, c'est pourquoi moi je te dis que moi, je ne vais jamais t'attaquer pendant que tu es enceinte. Edwige était enceinte au moment où tu étais en train de la laver, au moment où tu étais en train de la clasher. Tu sais ce que ça peut provoquer? Ça peut tuer son enfant. Tu sais, une femme, quand elle est enceinte, tout ce qu'elle reçoit, l'enfant reçoit ça. Tout ce qu'elle reçoit, bonheur, malheur, tristesse, toutes les émotions, son enfant reçoit. Si une femme a été trop malmenée, son enfant peut en mourir. Mais ça, comme tu n'es pas allé à l'école et personne ne t'a appris ça, parce que c'est des choses aussi, on n'a pas forcément, moi je n'ai pas fait la médecine, mais c'est des choses que je sais, parce que je me suis intéressé à la chose, parce que je lis beaucoup, parce que j'apprends. Est-ce que tu comprends? Parce que j'apprends. Et toi, qui es femme et qui a donné vie aujourd'hui à un enfant, tu n'as pas considéré ça et tu clashais la fille qui était enceinte. Son ventre était gros comme ça. Contrairement à ce que les gens pensent, mes ennemis, quand mes ennemis veulent m'attaquer, ils me disent que moi, j'aime attaquer les femmes. Mais Dieu seul est mon témoin, je suis le plus grand protecteur des femmes sur les réseaux sociaux. Si les malhonnêtes ne reconnaissent pas cela, tant que Dieu le reconnaît et tant que ma conscience en est témoin, moi, je m'en fous du reste. J'ai dit non, il ne faut pas l'attaquer pendant qu'elle est enceinte. J'ai pris position pour elle, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais causé avec elle. Et jusqu'aujourd'hui, on peut lui demander, je n'ai jamais causé avec elle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais causé avec Edwige. Comme ça, allô, allô, comme de la façon que toi, j'ai causé avec toi en Nibos. Et puis, je t'ai vu vis-à-vis. Elle, je n'ai jamais causé avec elle. Jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, je ne voulais pas que les gens la tuent et tuent son enfant. Parce qu'il y a des paroles qu'une femme enceinte ne doit pas entendre, qui peuvent la déranger. Parce que moi, je connais la force de l'Internet. Je connais la puissance de l'Internet. Je sais que simplement un simple commentaire peut te faire mal dormir. Donc imagine-toi, quand quelqu'un met une vidéo, une caméra, pardon, quand quelqu'un met une caméra pour te laver le coup, c'est plus que chose. Ton enfant même, tu peux accoucher même un enfant prématuré si tu es enceinte. Voilà les choses que moi je protège. Voilà des choses que moi je protège. Et tu m'en as voulu parce que tu penses que c'était une peur. Pourquoi je n'ai pas attaqué Edwige? Je ne suis pas aussi criminel que ça. Désormais, je participe à un game. Avant, ce n'était pas un game pour moi. J'étais là dans un combat de vérité et de justice. Aujourd'hui, je participe à un game à ma façon sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un criminel et je ne veux pas avoir sur la conscience le miscarriage de quelqu'un, l'avortement de quelqu'un. Je ne veux pas avoir la mort de quelqu'un sur la conscience. Quand je fais mes choses, je les fais toujours à raison. Après ça, quand elle a accouché que Peter a publié
Mon numéro de sécurité sociale, elle est sortie. Pendant que elle, tout le monde la considérait comme ma petite. Et que beaucoup de personnes, même toi-même, je t'avais dit, n'aie pas la clasher parce que je mets mon bras dessus, c'est ma petite. Aya, qu'elle avait insulté, Yaka, qu'elle avait insulté, Yaka, a dit que à cause de moi, il ne voulait plus même avoir affaire à elle. Par respect pour moi. Yaka ne la touchait plus. Et lorsque mon numéro de sécurité sociale a été publié, pendant que tout le monde lui avait collé la paix, elle s'est levée, elle a fait une vidéo contre moi. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo parce que le monde entier avait compris que cette femme n'est pas humaine. Parce que tout le monde avait vu comment je la traitais. Elle était déjà à terre. C'est ce qui a cassé son blogging jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, elle était bien partie en ce moment. C'est ce qui a cassé son blogging jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais plus rien à ajouter. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Elle-même, elle s'était auto-détruite déjà. Je n'avais plus rien à ajouter dessus. Les gens avaient vu qui elle était. Tout le monde l'avait fui. Tout le monde en parlait. Chaque fois qu'elle faisait maintenant vidéo, son blogging était vide. Je n'avais plus rien à ajouter dessus. Voilà pourquoi je n'ai jamais fait chose. Voilà pourquoi je n'ai jamais répondu comme il se doit. Que convenablement me mettre là en train de la clasher. Voilà pourquoi je ne l'ai jamais fait. Parce que MML s'était déjà auto-détruite. Comme par exemple, lorsque Gecko a fait ce truc, lui-même il s'est tellement auto-détruit que je n'ai pas eu besoin de faire vidéo sur lui. Mon demi-frère Gecko. C'est comme ça. Il y a des combats, moi je rentre plus dedans. Lorsque je vois que tu t'es tué toi-même, je rentre plus dedans. Je fais plus combat à toi. Parce que tu t'es détruit toi-même déjà. Voilà pourquoi je n'ai pas fait, n'ai pas clashé Edwige. Et toi, jusque-là, tu as ça dans ton cœur. Tu te dis, pourquoi je n'ai pas clashé Edwige? Tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose. À soi, peut-être j'ai peur d'elle, ou bien soit elle est trop forte, quoi. Toi, tu ne sais pas faire clash. C'est moi le slammer. Toi, tu ne calcules pas. Tu ne regardes pas la tendance avant de faire tes clashs. Par moment, il faut regarder bien la tendance. Quelqu'un peut te clasher. Et puis quand tu vois que dans les clashs de la personne, elle s'auto-détruit, tu ne réponds plus. Tu n'as même plus besoin de répondre. Parce que la personne s'est finie elle-même. Et ce n'est pas partout où on répond. Parce qu'il y a des moments où tu peux répondre aussi. Quand la personne n'avait rien à dire sur toi, tu peux répondre et puis maintenant la personne aura quelque chose à dire sur toi. C'est-à-dire que la personne va prendre tes propres dits pour te laver, pour faire sa vidéo. Donc ce n'est pas partout où on parle. Mais ça, tu n'as pas compris ça. Tu vois, voici la personne que moi je suis. Tu sais, Yaka est témoin. Plusieurs fois, tu as déjà voulu sortir sur moi parce que, tu vois, quand tu parles, même ta dernière vidéo que tu as faite, au fait, tu manques de respect facilement et tu te rends même pas compte combien de fois tu manques de respect aux gens. Même Yaka, tu lui as manqué du respect plusieurs fois. Mais par moments, il tolère. C'est ça aussi l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, faut pas sauter sur la première occasion, la bêtise de la personne, pour dire je vais en découdre. Plusieurs fois, tu as fait les mêmes choses. Tu as fait les mêmes choses. Par moments, je suis obligé de sortir parce que j'ai une réputation à protéger. J'ai une réputation à protéger. Donc je suis finalement obligé de sortir. Soit tu as fait plein de bêtises. Tu viens mettre ma caméra. Et c'est pas parce que c'est parce que je te respecte, hein. Sinon, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi et moi. D'abord, un. Quand on parle d'une personne, une personne est composée de trois choses. Ton passé, ton présent et ton futur. Voilà les trois choses importantes qui composent une personne. Ça fait un. Il y a encore d'autres choses. Comment tu as vécu dans ton passé? Qu'est-ce que tu as fait pour les gens? Comment tu as vécu? Tu as vécu honnêtement, malhonnêtement? Ça, c'est ton passé. Mais ton passé, tu dois l'assumer parce que ton passé a laissé place à ton présent. Et ton présent va faire ton futur. Donc, quand tu parles, faut tenir compte de ton passé.
Moi, c'est pourquoi souvent quand je parle de mon passé. Parce que tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas encore fait. Sinon, c'est trop facile. Avec des si et des peut-être, on peut construire ce monde. Mais on ne construit pas ce monde avec des si et des peut-être. On construit ce monde avec du concret. Et le concret, c'est ce que nous vivons. Tu as déjà été quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai une histoire, j'ai un combat. C'est pourquoi moi, je ne peux pas faire clash avec toi. Mon combat a commencé à Abidjan, c'est parti en Russie et j'ai des preuves de cela. J'ai des photos, j'ai des vidéos. Il y a des gens qui ont écrit sur moi, j'ai des livres qui parlent de moi. Ces photos-là, tu peux les trouver sur l'Internet, ça est sur mes pages. J'ai une histoire, toi tu n'en as pas. La seule histoire que tu as une histoire de Côte d'Ivoire où tu te prostituais, selon tes camarades. Moi, je ne vivais pas avec toi, je ne te connais pas. Jusqu'à ce que tu viennes encore. Comment dire, au Maroc, et que tu continues la prostitution, la police même, tu as eu même affaire à la police pour ça. Tu as même créé un gada, que tu as appelé un restaurant, là-bas, dans une maison, c'est déjà contre la loi marocaine, parce que tu veux, là-bas, tu veux faire quelque chose, faut le faire comme il se doit. C'est pas parce que moi, je n'avais pas l'argent dans tous les pays où je suis passé, que ce soit au Maroc, en Tunisie, ou en Russie. C'est pas parce que je n'avais pas l'argent pour faire un gada. Ça coûte combien d'affaires? C'est louer une maison, et puis après tu achètes quelques casiers de bière, et puis tu as ouvert un gada, c'est fini. Mais il y a ce qu'on appelle la loi. Il faut la respecter. Et je ne suis pas celui-là qui ne respecte pas la loi. Tu as eu un passé qui n'est pas exemplaire. Moi, je ne t'attaque pas. C'est-à-dire que mon combat, ce n'est pas contre toi sur les réseaux sociaux, puisque. Depuis que moi je te connais, sérieusement, sincèrement, tu n'as jamais vendu piment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je t'ai jamais vu en train de faire la promotion de vente de piment. Tu n'as jamais fait promotion de prostitution. Tu n'as jamais fait comment déjà, promotion de l'Eléa. En fait, voilà les choses que moi je combats. Tu ne t'es jamais mise nue sur les réseaux sociaux. Donc moi, même on allait faire 100 ans sur les réseaux sociaux, tu n'allais jamais me voir t'attaquer. Parce que déjà, tu ne rentres pas dans mon canal. C'est-à-dire que déjà, ce que moi je combats, tu ne rentres pas dedans. Ce que moi je combats sur les réseaux sociaux, toi, tu ne rentres pas dedans. Donc, on allait faire 1000 ans, je n'allais jamais t'attaquer. Parce que je vais te dire quoi. Moi, ce que je combats, c'est ceux qui se mettent nus sur les réseaux sociaux. Tu ne le fais pas. Ce que je combats, c'est les menteurs. Moi, je ne t'ai jamais vu en train de dire que tu as voiture tant. De 1 milliard, alors que tu n'as rien, je t'ai jamais vu en train de te vanter de quoi que ce soit. Donc, tu ne rentres pas de manine. Mais aujourd'hui, nous en sommes là parce que tu veux forcément montrer que il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit champion, championne du malparlage sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous en sommes là. Eh bien, laisse-moi te dire, tout ça se passe dans ta tête. C'est toi qui penses que il faut une championne du malparlage. Sinon, personne n'a créé le concours de malparlage encore. C'est toi qui penses que moi, j'ai fait clash avec telle personne, je l'ai gagné. Ce qui t'a donné le trophée. Non, ouais, j'ai fait. Telle personne ne peut pas faire clash avec moi. On t'a une fois donné le trophée. Je vais te dire comment je t'ai connu. Tu es une petite manipulatrice et je t'ai toujours dit que je n'aime pas ça. Tu mens beaucoup et je t'ai toujours dit que je n'aime pas ça. Mais tant que tu ne fais pas la promotion du mensonge, ça, comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Quand je t'ai connu, c'est quand tu as dit que tu partais frapper Lolo et tout le monde faisait les vidéos contre Lolo. Et c'est moi qui t'ai surnommé Zine la guerrière. Aya la guerrière, pardon. Je t'ai surnommé Aya la guerrière. Mais il ne pensait vraiment pas que tu allais le faire. Mais ça faisait partie du show. Je ne pensais pas que tu allais partir chez Aya et puis réellement. Ben, Lolo, et puis réellement te battre avec elle. Mais ça faisait partie du show. Tu sais, quand tu es revenu, je t'ai dit, oh, mais attends. Ah, la fille, vraiment, elle est courageuse et tout et tout. J'ai lui envoyé un casier de champagne. Quelques jours plus tard, tu as sorti quelques bouteilles de champagne. Tu t'es mis sur l'internet pour dire que je t'ai envoyé des casiers de champagne. Je t'avais déjà demandé. Combien ça coûte?
avant que tu ne sortes pour dire que je t'avais envoyé des casiers de champagne, tu avais demandé combien ça coûte. Tu m'avais donné un prix façon. J'ai du champagne toujours chez moi à la maison. Moi, ça arrive. Et ce que tu buvais n'était pas du mouette. Mais je n'ai rien dit. Mais j'ai compris déjà lorsque tu as fait ta vidéo pour dire que moi, je t'ai déjà offert du champagne. Moi, je ne suis pas dans les mensonges. On peut me reprocher beaucoup de choses. Mais les mensonges, je ne suis pas dedans. Quand je n'ai pas encore fait quelque chose. Ici, tu sais, ici, c'est les États-Unis. Ou si je veux, je peux mentir aux gens et puis personne ne va découvrir la vérité. Je peux mentir aux gens. Je peux faire croire que ma vie est ceci, cela. Mais je ne le fais pas. Parce que je veux être honnête envers moi-même d'abord. Tu viens. Moi, je ne t'ai pas encore offert de champagne. Tu dis au monde entier que moi, je t'ai déjà offert du champagne. Au fait, c'était un flocon 1, appelle flocon 2. Tu voulais faire quoi? Tu voulais maintenant m'obliger maintenant, puisque tu as déjà annoncé que je t'envoyais casier de champagne. Maintenant, j'allais t'envoyer du champagne. Tu es une matérialiste. Et déjà, ça commence à faire peine dans ma tête. J'aime pas les matérialistes. Ah oui, non. J'aime pas les matérialistes. Mais je comprends. Ça relève de ton passé. J'ai commencé à observer de près. J'ai commencé à t'observer de près. J'ai commencé à t'observer de près. Moi, tu sais, je veux être égal à moi-même. Et tant que je n'ai pas encore fait quelque chose à quelqu'un, je ne veux pas que la personne dise, tu as fait ça là pour moi. Pour m'obliger à le faire. Il y a des gens qui ne m'ont jamais rien demandé à qui j'ai donné des... J'ai fait des dons. Quand je veux faire quelque chose, je veux que ça vienne de moi et non qu'on m'oblige moralement à le faire. Tu sais, tu as dit beaucoup de choses dans ta vidéo. Tu as dit que j'ai insulté ton père. Et tu as dit aussi que c'est toi qui m'as présenté à Evidero. J'étais étonné quoi d'entendre ça. Tu vois, c'est ce que je te dis. Arrête de mentir un peu par moi, ça va te faire du bien. Moi, tu ne m'as jamais présenté à Evidero. Jamais. Moi, je me souviens une chose. Le jour où ma part a allé enregistrer ton père pour mettre ça sur les réseaux sociaux parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Quand elle est mal en point, elle s'est enregistrée un parent. Et puis voilà, ça c'est sa spécialité, ça. Tout le monde la connaît désormais. Le jour qu'elle a fait ça, tu as commencé à faire funérailles bêtées. Moi, je ne vis pas en France avec toi. J'étais en train de causer avec Yaka. Et Yaka m'a dit, ah voilà la situation, toi, elle est inconsolable. Pardon, faut m'aider. Yaka est là, elle est vivante. Pardon, faut m'aider. Il dit, ok. Et puis il a mis en truie, oui. Et tu as commencé à dire des choses. Sur ton père. Je préfère laisser le monsieur en dehors de tout ça parce que je préfère ne pas dire certaines choses. Mais tu as l'habitude de dire, mais tu as dit ça plusieurs fois. Non, tu as clashé mon père. Tu as insulté mon père ici. Tu savais très bien que j'allais insulter ton père. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas fait de vidéo pour te contredire. Parce que je sais que c'est une histoire de famille et que c'est parce que tu avais eu la pression de ta famille que tu étais obligé de dire ça. Sinon, en réalité, toi, tu savais que je partais faire vidéo comme ton père. Yaka est là. On était entrué. C'est pas toi et moi seulement. On était entrué. Yaka est là. Quand tu as commencé à parler de ton père, tout ce qui t'a fait du mal depuis que tu es né, quand tu as commencé à raconter tout ça, moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi, je suis très sensible à certaines choses parce que moi, je sais combien de fois j'ai souffert dans ma vie. Donc, quand je vois quelqu'un comme ça maltraité par sa propre famille, déjà, de toute façon, moi, vous n'aviez même pas encore découvert un pan de ma vie, déjà, hein, que moi, déjà, je me comportais comme ça. Quand vous avez certainement découvert un pan de ma vie, vous avez compris pourquoi, effectivement, j'agis comme ça. Pendant que toi, tu pleurais, là, tu ne savais pas que moi, tu me faisais pleurer. Parce que je voyais ma vie. Je voyais comment mes parents avaient été méchants envers moi. Tu m'as fait pleurer. Et j'ai dit que non, ce monsieur, on doit lui dire deux mots. Je t'ai dit ça, je m'en vais lui dire deux mots. Je t'ai dit, je m'en vais faire la vidéo, j'ai lui dit deux mots. Je t'ai pas dit, je m'en vais l'insulter. Je t'ai pas dit, je m'en vais le clasher. Mais quand il voit rien dire, je m'en vais dire deux mots à quelqu'un, pour toi, ça veut dire quoi? Quand il voit rien te dire, je m'en vais dire deux mots à quelqu'un, pour toi, ça veut dire quoi?
quand je suis quitté là, tu pleurais fort tellement que c'est Yaka Yaka qui a appelé Ivy Dero pour lui demander de l'aide pour qu'elle te calme aussi. Voilà comment Ivy Dero est rentré dans l'appel. Moi, j'ai dit à Yaka Yaka, raccroche-moi. Yaka Yaka est vivant. Hein? J'ai dit à Yaka Yaka, raccroche-moi parce que je ne veux pas rentrer dans ça. Là. Ivy Dero, moi, je ne la connais pas, on n'a jamais causé. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est moi qui ai dit à Yaka Yaka, raccroche-moi. Toi et moi, rarement, on a causé sans Yaka Yaka. Je dis bien très, très, très rarement, on a causé sans Yaka Yaka. Si on a vraiment causé sans Yaka Yaka, ça peut être une ou deux fois, maximum. Sinon, toujours. C'est toujours par le biais de Yaka Yaka. Parce que moi, j'ai toujours dit, et Yaka Yaka le sait, et beaucoup de personnes le savent, j'ai toujours dit, moi, amitié avec femme, je ne suis pas dedans. Parce qu'après, là, c'est pour aller dire, il m'avait dragué. La personne dit, non, je n'aime pas ça. Avec garçon, je me sens à l'aise. Voilà. Et toujours, c'est par le biais. Jamais, toi, tu ne m'as présenté à Ivy Dero. Mais tu es venu dire, gardement, hier, que non, c'est toi qui m'as présenté à Ivy Dero. Pour faire quoi? Non, comme... moi, je ne t'ai même pas encore défendu Ivy Dero. Moi, j'ai commencé à causer... Ivy Dero a commencé à me parler avant même que je ne la défende. En fait, quand tu dis défendre, bah, voilà, on peut considérer ça comme ça. Mais avant que je défende la thèse qui était le mensonge à son égard. Est-ce que tu as compris? C'est après, Yaka Yaka m'a appelé pour me demander que Ivy Dero veut mon numéro. J'ai dit, mais il faut lui donner. J'ai dit, il faut lui donner. Voilà comment Ivy Dero rentre en contact avec moi. Toi, tu ne m'as pas présenté à quelqu'un. Tu ne m'as jamais présenté à quelqu'un. La seule personne que toi, tu m'as présenté, c'était le témoin de 100 visages qui est au Burkina Faso, la Burkinabé, là. C'est elle seule. Que toi, tu m'as présenté. C'est un seul que toi, tu m'as présenté. Et j'ai payé 200 dollars pour ça. 200 euros ou bien 200 dollars, je ne sais plus. Pour ça. En tout cas, mais le Western Union, là. C'est ça. Je ne m'ai jamais présenté à quelqu'un. Parce que partout où toi, tu mets ton nez, il y a tout. Je dois toujours avoir affaire d'argent dedans. J'ai eu des témoins des gens. Des gens m'ont donné des docs sur les réseaux sociaux ici, partout, depuis des années. Je n'ai jamais donné 5 francs à quelqu'un. La première fois que j'ai donné 5 francs pour un témoignage, c'était avec toi. C'est la première fois, Dieu est mon témoin, c'est la première fois que moi j'ai dépensé 5 francs pour un témoignage sur les réseaux sociaux. Et c'était avec toi. Tu as pris 100 euros et tu as donné 100 euros à la fille. Vous avez partagé ça, moi j'ai rien dit. Ça ne me regarde pas, moi, ça ne me fait rien. Mais je t'apprends que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'avais jamais payé 5 francs à quelqu'un pour avoir des informations. Après, quand tu as fait ça même encore, tu es allé quelques jours plus tard, tu es allé faire vidéo, tu dis, d'ailleurs même, voilà, on t'a bien clashé maintenant. Moi-même, je suis derrière tout ça. Là. Parce que tu as vu que le clash avait été très bon, très bien fait. Tu dis que tu es derrière ça, parce que tu voulais prendre aussi le nom. Parce que tu veux toujours être au devant de la scène. Parce que tu veux toujours qu'on dise, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu sais, je t'ai promis, hein, je t'ai promis un slam. Je t'ai pas promis un clash à l'ivoirienne. Je suis pas dans les grosses têtes, gros nez. Je vais pas rentrer dans ça avec toi. Parce que toi, tu es une fille de rue. Et donc ça, c'est ta chose, ça. Je vais rentrer dans les slams avec toi. Te dire les vérités. Te dire les vérités. Tranquillement. Tu sais, quand moi j'aime quelqu'un, je lui ouvre mon cœur. Chaque acte que tu fais de bien pour moi, je n'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux pour dire, cette fille, elle est bien. Tel que par exemple, quand on était à Saint-Phal, quand tu as lui fait la checker spécialement, je lui dis, tu es bien. Je lui dis, tu es bien. Et je veux te respecter, je veux t'aimer comme une sœur. Mais tu es plus nuisible que serviable. Est-ce que tu vois un peu ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si je te prends, je vois une fille qui pose quelquefois de bons actes, mais de l'autre côté, elle est plus nuisible.
Et donc, je dois faire un choix. Si tu poses. Moi, je suis allé à Saint-Femme. Tu m'as surpris. Tu as fait des choses pas extraordinaires pour moi. J'étais très content de toi. Mais de l'autre côté, ton histoire de vouloir être forcément championne des clasheurs, des clasheuses, te prend tellement la tête parce que ton histoire, ta quête de visibilité n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Tu étais en train de lancer des fleurs dans le. Moi là, j'ai clashé Johnny Pacheco. Toi, tu peux faire clash avec Johnny Pacheco. Attends, je ne sais même pas où ça te vient. Tu te prends la tête. Oui, moi j'ai clashé telle personne. Et puis voilà. Et puis tata, ouais, nous on a gagné telle personne. Tu es toujours dans. Mais il faut organiser. Tu es en France, non? Il faut organiser concours de clash. Et puis on va te nommer meilleur. Moi, je ne serai même pas dedans. Organise concours de clash entre vous là. Je vais te dire les gens avec qui toi tu es capable de faire clash. Nous sommes dans l'islam. Moi, je ne suis pas dans les clashs. Toi, tu es dans le clash. Et les gens que tu peux comprendre et qui peuvent te comprendre, il y a trois que moi j'ai identifiés clairement sur les réseaux sociaux. Il y a ma part, parce qu'elle n'a pas fait école comme toi. Et elle est lélée comme toi. Et elle est twin comme toi. Ah, ça fait un. Il y a sans visage. Elle est bouclée comme toi. Elle n'a pas eu d'éducation. Et elle n'est pas allée à l'école comme toi. Voici, vous trois là, vous formez le même groupe. Edwige allait à l'école. Quand elle parle son français, tu comprends clairement. Et donc, quand quelqu'un parle, elle comprend. Tu vois, donc, tu blesses facilement les gens sans te rendre compte. Pour toi, ce n'est rien. Tu as fait ta vidéo, tu dis, j'ai dit quoi de mal? Quand tu dis à quelqu'un que tu prétends appeler ton grand frère. Et dans la même vidéo, tu dis, Bob Lee, c'est mon grand frère. Et dans la même vidéo, tu dis, moi, je ne crois pas à ça parce que moi qui suis l'ami des temps, toi qui ta, moi, elle m'a pas dit ça. Elle a même juré sur la Bible. Et dans la même vidéo, tu te contredis en disant que Pama avait aussi juré sur la Bible devant toi pour te dire que elle a couché avec elle. Et Yvi Dero a juré aussi sur la Bible pour dire que elle n'a pas couché avec elle. Mais tu as décidé, tu as choisi de croire à Yvi Dero au profit de ma part. Sur quelle base? Si les deux ont juré sur la Bible, qu'est-ce qui te fait croire que l'autre dit mieux la vérité que toi? Tu dis que non, que c'est la Bible le principe. Selon toi, ton principe, c'est la Bible. Donc, quand ton principe c'est la Bible, les deux ont utilisé la Bible. Donc, à partir de quoi maintenant, tu vois, non? Il faut utiliser maintenant ton intelligence pour savoir. Moi, Yvi Dero n'a pas juré sur la Bible pour me convaincre. Elle a dit, il y a des paroles qui sont fortes. Quand quelqu'un te dit, je suis tel truc, mais ça là, seulement, je n'ai pas fait. C'est largement suffisant pour convaincre. Le plus grave, elle a chose à reconnu. Quelqu'un qui dit je suis lesbienne. Et puis non, telle personne m'a lapé. Quel est le plus grave? Le plus grave, c'est d'être lesbienne. Ce n'est pas que telle personne m'a lapé. Parce que la personne t'a lapé, la personne peut l'avoir fait une fois, peut-être que vous avez bu et tout, mais je suis lesbienne. Ça, c'est par contre quelque chose. Voilà des choses, par exemple, je pars à partir d'une logique qui m'amène à avoir plus confiance en cette personne. Et c'est comme ça que j'ai eu confiance en elle. Et toi, ton raisonnement est utopique. Non, ma part m'a dit que non, qu'elle a juré sur la Bible pour me dire qu'elle a fait ça. Et puis l'autre aussi a juré sur la Bible. D'abord, avant d'en arriver à ma part, tu dis, non, c'est parce que Yvi Dero a juré sur la Bible. Donc moi, pour moi, la Bible est tellement sacrée que quand quelqu'un jure sur la Bible pour moi, ça veut dire, ok, ça y est. Mais en même temps, dans la même vidéo, comme tu n'es pas intelligente, tu viens dans la même vidéo, tu dis, oui, ma part aussi, elle a juré aussi sur la Bible. Mais entre les deux, j'ai décidé de croire à l'autre, à Yvi Dero. Sur quelle base donc? Sur quelle base? Tu as décidé de croire à Yvi Dero. Les deux ont utilisé la Bible. Sur quelle base? Moi, je suis un homme. Et moi, j'ai déjà couché avec une fille. Et moi, je sais quand même que, même nous les hommes, tu ne peux pas coucher avec une fille de 21h à 6h du matin. Ce n'est pas possible. Donc, je ne vois pas quelqu'un prendre sa langue en train de laper, même du beurre ou bien même quelque chose que tu aimes, du yaourt que tu aimes, laper ça jusqu'à 6h du matin. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une question de logique. Tu ne peux pas le faire.
Voilà, moi, ce qui me permet de dire que c'est faux, cette femme, elle ment. Une deuxième chose, c'est que cette femme avait déjà menti sur moi en mettant la photo d'une femme que moi, je ne connaissais pas. C'est plus tard qu'elle-même, elle a dit que c'était sa mère. Mais elle avait mis la photo d'une femme que moi, je ne connaissais pas. Et elle avait dit aux gens, elle avait dit au monde entier que c'était ma maman. Voilà des choses qui me font croire que non. Elle est, c'est une menteuse. Une menteuse, une manipulatrice. Donc moi, je ne peux pas faire confiance à celle-là. Moi, je préfère faire confiance à Evidéo. Voici ma position. Elle est justifiée. Mais toi, qu'est-ce qui justifie ta position? C'est toi qui t'assois aujourd'hui et puis tu dis que Evidéo est ta personne. Tu vois, alors, ouais, tu n'apprends rien de tes erreurs. Donc, Evidéo est ta personne. La même Evidéo dont on a maudit les enfants. Mapa a maudit les enfants de Evidéo. Mapa a... C'est elle qui a dit que jamais elle, il y a deux personnes sur cette terre qu'elle ne va jamais pardonner. Il y a Evidéo et il y a moi. Et toi, tu dis que Evidéo, c'est ta personne. Que Evidéo vous fait des confidences. Que Evidéo t'a laissé et puis elle allait me faire des confidences. Avant de dire ce que je veux dire, je vais te poser une question. Quand Evidéo partait me demander le pull là, elle t'a demandé la permission. Puisque normalement, puisque c'est ta jumelle, vous dites tout avant. Avant de me demander le pull, j'estime qu'elle a dû te parler. Mais c'est comme ça que ta façon de traiter tes amis fait peur quand même. Hein? C'est-à-dire que toi, tu as une amie qui est ennemie à une femme qui veut même la tuer, qui veut même tuer ses enfants. Et toi, tu te lèves et tu t'en vas chez l'autre et puis tu fais tout là-bas et tu fais tout et tu continues de dire que l'autre est ton ami. Tu as une façon bizarre d'entretenir tes relations, disons, mon Dieu. C'est une façon bizarre. Dans la vie, il faut faire un choix. Et pourtant, celle qui t'a fait faire funérailles sur les réseaux sociaux, c'est ma part. Et celle qui est venue te consoler, c'est Evidéo. Et toi, à ton tour, celle qui a fait pleurer Evidéo, c'est elle que toi, tu t'en vas consoler. Est-ce que toi, tu es l'homme? Est-ce que toi, tu es l'homme? C'est-à-dire que ma part s'en va enrichir ton père. Ton père raconte toute ta vie. Et toi, tu es en train de pleurer. Tu pleures en direct funérailles bêté. Wow, 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 wow. Jusqu'à Jerry. Moi, ça m'a fait pleurer. Yaka Yaka appelle Evidéo. C'est Evidéo qui vient te consoler. C'est elle qui vient te soutenir, essuyer tes larmes. Et la même Mapa qui t'a fait pleurer comme ça, comme au funérailles, la même Mapa, elle prend Evidéo, elle insulte Evidéo. Elle expose Evidéo. Et la même Mapa, elle est en détresse. Et toi, tu t'en vas essuyer ses larmes. La même Mapa qui t'a fait pleurer lorsque Evidéo venait essuyer tes larmes. La même Mapa est en détresse. Et toi, tu t'en vas essuyer ses larmes. Et tu prétends être l'ami de Evidéo. Alors que Mapa jure que si elle a l'occasion de tuer Evidéo, elle ne va pas hésiter. Ma question est, lorsque tu es avec ma part et qu'il faut parler de Evidéo, c'est de quoi vous parlez? Parce qu'il est clair que ma part est l'ennemi de Evidéo. Et toi, tu viens gaillardement t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que toi, tu es l'ami de Evidéo. C'est-à-dire que, en fait, toi, pour toi, l'amitié, là, ça ne se traduit pas par les actes. Ton amitié, c'est dans la bouche, quoi. Tu es mon grand frère. Je suis ton ami. C'est-à-dire que tout est dans la bouche. Non. L'amitié, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es... Moi, quand je dis que Yaka Yaka est mon petit frère, c'est du pléonasme. Je n'ai même pas besoin de le dire, c'est du pléonasme finalement, puisque son comportement montre qu'il est mon petit frère. Moi, Yaka Yaka, depuis un moment, on ne s'est pas appelé. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti offensé à cause de cette histoire de cette chanteuse-là. Parce que j'ai essayé de ne pas malmener Aïcha Kone. Et je le comprends. C'est un homme qui a des sentiments. Il a caché à une femme et il a vu que son grand frère a malmené cette femme, il est fâché. Je le comprends. Je l'ai laissé dans son coin. J'estime que c'est un grand garçon.
Quand il va comprendre, il va revenir. Mais tu ne me verras jamais faire une vidéo pour manquer du respect à Yaka Yaka d'une façon ou d'une autre. Et tout le monde sait sur les réseaux sociaux que moi, je ne lis pas amitié aux gens pour ne pas qu'on me clash. Sur tous les clashers sur les réseaux sociaux, je les connais. Et ce ne sont pas mes amis. Donc, je ne me lis pas à quelqu'un pour ne pas qui me clash. Je ne me lis pas à quelqu'un pour les combats à venir. Jamais. D'ailleurs, depuis que Yaka Yaka, je l'appelle mon petit frère, j'ai eu plein de combats où un mot même, il n'avait rien dit. Et ça n'a pas empêché que lui et moi, qu'on soit toujours camarades. Ça n'a pas empêché que lui et moi, on soit toujours camarades. J'ai eu des combats ici où Yaka Yaka n'a pas fait vidéo. Ou toi-même, tu n'as pas fait vidéo. Est-ce que j'ai arrêté de causer à toi? Est-ce que j'ai arrêté de te parler? Est-ce que j'ai arrêté de parler à Yaka Yaka? Pendant même que je faisais les clashs, j'appelais Yaka Yaka. Et puis on causait. C'est comme ça moi je suis. Mes combats, c'est mes combats. Mes relations, c'est mes relations. Mais toi, tu viens sur les réseaux sociaux, telle personne est mon ami, désormais personne ne doit attaquer la personne. Mais il faut dire à la personne de bien se comporter. Parce que je suis sûr et je jure que si c'est quelqu'un qui est peut-être venu prendre le mari de José de la sorte, si c'est Aline, si on avait inversé les rôles, que c'était Aline qui était venue prendre le mari de José, je suis sûr que l'Internet allait mourir dans ta main. Parce que tu allais t'envoler avec l'âme de la personne. Tu allais rester sur le sujet et faire des vidéos de 4 heures. Même s'il n'y a personne, tu allais faire vidéo. Mais tout simplement parce que c'est ta personne, alors tu te dis que, donc, que tout le monde doit être d'accord avec sa bêtise. Tu as dit dans ta vidéo que moi je t'ai dit que Serodie est ton ami et que c'est Serodie qui t'a dit que Aline est infidèle. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, c'est pourquoi je te dis que moi je ne peux pas faire clash avec toi. Je ne peux même pas faire vidéo avec toi. Parce que la seule vidéo que moi je peux faire avec toi, la seule vidéo que je peux faire avec toi, c'est de payer un tableau pour mettre derrière moi ici. Un tableau. Et puis prendre la clé, ou bien alors prendre l'ardoise de Naël. Et puis prendre, le stylo, le crayon de Naël. Et puis te faire lire les 26 lettres de l'alphabet. T'apprendre à parler français. C'est la seule vidéo que moi je peux faire. Sinon, je ne peux pas faire autre vidéo. Parce que je vais te dire une chose. Regarde comment c'est ce qu'on appelle thèse, antithèse et synthèse. On estime que tu es l'ami de José. Qui est José? José, le la fiancée de Serodie. Qui est Serodie? Serodie, le mari de Aline. Si Aline a trompé un jour Serodie, qui est le premier à savoir? C'est d'abord Aline elle-même. Ensuite, c'est Serodie. Et si toi, tu viens dire que Aline a été infidèle, ça veut dire que Serodie a dit à sa femme, et comme toi, tu es l'ami de sa femme t'a dit. Ça veut dire que Serodie a dit à José que Aline est infidèle, et puis José est venu te dire que Aline est infidèle, et que toi, tu es venu mettre ça sur les réseaux sociaux. Voici comment on fait la synthèse. Ça s'apprend à l'école. Il fallait faire l'école pour savoir cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'école simplement pour avoir des diplômes. On va à l'école pour apprendre des choses, même si on n'a pas eu de diplôme. On va à l'école pour apprendre des choses et puis venir appliquer ces choses-là dans notre vie réelle. Si tu étais allé à l'école, tu allais savoir ça. Et pourtant, tu es en France. Ton temps, tu devrais le prendre pour aller à l'école. Non, toi, tu restes là pour ouvrir ta bouche en train de parler dans tout ce qui ne te regarde pas et en train de te jouer les défenseurs de je ne sais qui et de je ne sais quoi. Je vais te dire une chose. Tu as dit tellement de choses dans ta vidéo. Que toi là, tu peux faire quoi? Tu as dit à clasher qui et puis les morts. Mais moi, je ne me prends pas pour le clasheur. Je suis Don Giovanni, le slammer. Je suis Bob Lee, la légende. Je ne me prends pas pour un clasheur parce que je n'ai jamais gagné un seul concours de clash. Je n'ai jamais gagné un seul concours de clash. Et moi, je ne m'assois pas sur la vie des gens juste parce qu'ils m'énervent.
Par exemple, sans visage, je l'ai exposée, tout le monde sait ce qu'elle fait en France, comment elle vit en France. C'est fini. Tout le monde sait qu'elle est sur les réseaux sociaux pour se prostituer. C'est fini. J'ai fini avec ça. Tu ne me verras pas en train de m'asseoir sur ta vie, c'est de la haine. Quelqu'un même qui ne comprend même pas. Les prostituées n'ont jamais eu honte. La honte, ils ne connaissent pas. Donc, moi, mon intention, ce n'est pas de la honnir. Non. Mon intention, c'est de dire, voilà ce qu'elle, de quoi elle vit, voilà ce qu'elle fait, voici pourquoi elle est sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fini. Concernant ma part, moi, je n'en veux pas à ma part parce qu'elle est l'élée en France, c'est légal en France. J'en veux à ma part parce qu'elle vient faire la promotion du Léléa sur les réseaux sociaux dans une communauté noire. Voilà ce que je lui reproche. Je répète, pour que tu comprennes. J'espère que quelqu'un va traduire en baoulé pour toi. Je ne reproche pas le fait que ma part soit Lélé. Non. Je ne lui reproche pas le fait qu'elle soit Lélé. Je lui reproche le fait qu'elle fasse la promotion du Léléa sur les réseaux sociaux dans une communauté africaine noire. Je ne peux pas permettre ça parce que c'est contre nos mœurs. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pays africain, surtout elle dans son pays, elle, la communauté ivoirienne, dans son pays, ce n'est pas encore autorisé ce genre de pratique. Voilà mon problème. Donc moi, quand je l'expose, je montre combien de fois elle est mauvaise, une mère indigne, tout cela à cause de Léléa. Donc, donc quand je fais mes vidéos, je sais où je commence, je sais où je vais, je sais quel point atteindre. Quand j'atteins mon point, c'est fini. J'ai fini. Quand j'atteins mon point, c'est fini. Maintenant, toi, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux juste? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? À part te dire, je défends telle personne, je défends telle personne. Tu défends quoi exactement? Parce qu'on ne défend pas les personnes. À moins que tu dises que, voilà, que je suis une clasheuse, voilà, payez-moi 1000 euros par clash, voilà. Donc je suis là, celui qui a besoin de défense, voilà. Donc c'est ton travail de défendre les gens. Je peux comprendre, c'est peut-être une façon, un nouveau genre de blogging, je sais pas. Là, je peux peut-être comprendre. Mais sinon, je ne crois pas que le blogging ait été créé pour dire qu'on va défendre quelqu'un. On défend des idées. On défend des idées. On défend des points de vue. On ne défend pas les gens. C'est-à-dire que si telle personne fait quelque chose qui est contre la morale, il faut en parler. Il faut dénoncer cela. Parce que nous sommes dans une communauté où nous devons tirer la sonnette, l'alarme quand il faut pour que les gens sachent se conduire, pour ne pas que la société soit pourrie, parce que nous sommes allés déjà loin dans nos dégamages, nous sommes allés déjà très loin dans nos dérapages. Mais il faut quelques personnes pour dire non, 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 nous allons trop loin. N'allons pas, ne dépassons pas la ligne rouge. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Rester là à te victimiser? À jouer les victimes là? Non, tu sais, c'est toi, je t'ai fait quoi? Tu as oublié les plusieurs fois où tu es sorti pour dire que tu allais me clasher? Tu as oublié ça? Plusieurs fois, tu es sorti pour dire que tu allais me clasher. Tu as oublié ça? Aujourd'hui, cette vidéo, c'est d'abord remettre la pendule à l'heure. C'est-à-dire que dire aux gens, pourquoi tout ça là? Mais ça, c'est juste l'entrée en matière. Tu crois que moi, je viens sur les réseaux sociaux pour demander respect? Personne ne vient sur les réseaux sociaux pour demander respect. Chacun vient faire ce qu'il a à faire. Parce que le respect n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des alcooliques. Il y a des prostituées, il y a des fous, il y a des gens qui sont drogués, il y a tout. Tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour demander respect. Chacun fait son commentaire librement selon son humeur du jour. Chacun fait sa vidéo comme il veut. Il suffit d'avoir un téléphone, tu peux faire une vidéo. Mais toi, quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Quel est le débat intellectuel que tu as déjà eu? Parce que moi, je connais tes clashs. Tout se résume à insulter, 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 insulter. Rien de constructif. Rien de constructif. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait un clash où tu vas dire à quelqu'un, tu vises le point. Non, tu vises plutôt la personne. Donc, tu n'apportes rien à la société. Ta page est inutile.
C'est toi qui seul qui veux être championne de clash. Pendant que personne ne veut être champion de clash. Personne ne veut être champion de clash. Même quand les gens par colère sont obligés de slammer. Personne ne veut être comme toi. Qu'est-ce que les gens apprennent lorsque tu fais tes vidéos? Même ceux que tu appelles tes amis là. Qu'est-ce qu'ils apprennent de toi? Tu vas rester en train d'insulter maman des gens? Parce que c'est tout ce que tu peux faire. Mais c'est normal. Les lélés, c'est leur travail. Les prostituées, c'est leur travail d'insulter. Vous insultez entre vous matin, midi, soir. Vous volez entre vous matin, midi, soir. Ça, c'est ce que vous faites. Ça, c'est votre quotidien. Quelqu'un ne peut le faire mieux que toi. Quelqu'un ne peut le faire mieux que vous. Toi, ma part, et puis chose, sans visage. Vous êtes même chose. Vous n'avez pas honte? Pour vous, la honte est passée. Moi, je t'appréciais par rapport à eux parce que toi, tu ne viens pas vendre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu ne viens pas faire la promotion de certaines choses que moi, je combats sur les réseaux sociaux. Donc, je t'appréciais. Mais là, tu vas un peu trop loin. Ton envie de vouloir être première. Regarde, tout le temps, tu as passé ton temps à te battre avec tes amis à cause de visibilité. Et tu es toujours dedans encore. Tu as créé un groupe. Un groupe Messenger, où tu as mis des gens et tout, tout et tout. Tu as demandé à Yaka Yaka de m'ajouter. Yaka Yaka m'a ajouté. Je ne voulais pas. Il m'a supplié, je suis rentré. Tu as commencé à faire parler avec tout le monde là-bas. Tout simplement parce qu'on ne partage pas tes vidéos. Au fait, apparemment, tu avais créé ce groupe-là pour qu'on partage tes vidéos. Tu as commencé à faire parler avec tout le monde, y compris ma part, avec d'autres personnes même que je ne connais pas et tout, tout, tout. Tu as commencé à faire parler avec tout le monde. Je suis sorti du groupe trois fois. La troisième fois, il n'y rentre plus. Trois fois, Yaka Yaka m'a demandé pardon. Et puis je suis rentré. Quand je suis sorti la dernière fois, je ne suis plus jamais rentré. Ça, ça fait un. Le but, c'était pour qu'on te donne la visibilité. Parce que tu veux tellement la visibilité. Tu t'es trop battu pour la visibilité. Toute ta vie, c'est visibilité, visibilité. Tu te colles à des gens pour de la visibilité. Tout se résume à visibilité. Moi, je parle comme ça. Moi, je peux être ami avec toi. Tu partages pas mes vidéos. Tu partages mes vidéos. Tu regardes pas mes vidéos. Tu regardes mes vidéos. Je m'en fiche. Moi, j'ai des amis qui regardent pas mes vidéos. Mais qui prennent des vidéos ailleurs pour venir me dire, ah, regarde ce que telle personne a dit. Je les bloque pas. Ça me dit rien. Je m'en fiche. Je leur fais pas des histoires. Je m'en fiche. Toi, non. Quand on est quitté après, quand on est quitté à Saint-Phal, on a créé chose encore. Pour toi, tu as dit bonjour dans le groupe. Personne ne t'a répondu. Alors, c'est devenu parent. Et pourtant, moi, je t'ai répondu. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Yaka Yaka a répondu. Mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Il y a des gens, forcément, qui devraient te répondre dans le groupe. Pourquoi Mimi n'a pas répondu? Pourquoi Lolo Beauté n'a pas répondu? Pourquoi telle personne n'a pas répondu? Tu as commencé à faire parler encore. Les clashs ont commencé là encore. Par souci de solidarité, Yaka Yaka était obligé de te soutenir encore. Vous deux, vous avez quitté le groupe. Après, vous êtes rentré encore. Toujours belliqueuse. Toujours parable. Tout ça là, pourquoi? Pour ta petite personne. Jamais pour une cause. Toujours pour ta petite personne. Toi, toi, toi. Et tout doit commencer par toi. Tout doit finir par toi. Et quand les gens sont généralement comme ça, rien ne leur réussit. Quand les gens, c'est moi, 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 tu dois commencer par moi, tu dois finir par moi, rien ne leur réussit. Faut faire la place aux autres et tu vas voir qu'ils vont te récompenser. Fais la place aux autres. Tu ne sais pas faire la place aux autres. Hier, toi, tu fais une vidéo dans laquelle clairement tu dis que moi, je suis un menteur et puis après, tu viens, c'est que tu mords et puis tu souffres. Et puis, tu crois que moi, je joue à ce petit jeu-là. Toi, tu es plus intelligent que moi. Non, je t'ai pas mal parlé. Non, tu n'as pas vu ce que j'ai dit à Yves Hidero. Moi, je m'en fous de ce que toi, tu as dit à Yves Hidero. Moi, ce que je sais, c'est que tu es en train de me traiter de menteur. Tu es en train de dire que Yves Hidero m'a pas dit cela. Attends qu'elle même dise ça. Je lui ai dit de faire vidéo pour jurer sur la tête de son niveau né si elle n'a pas dit ça. Et tu n'attends pas ça. Parce que tu veux jouer, tu te joues les grandes clasheuses reconnues par, peut-être qu'il y a un forum ou bien il y a un concours de clash international que tu as gagné. Alors, comme tu te prends pour la grande clasheuse, tu vas venir jouer les choses. Non, arrête ça. Tu ne peux pas jouer ça à moi.
Je te dis, c'est Yvi qui m'a dit, j'ai quoi pour mentir? J'ai quel intérêt à mentir pour qu'elle dise? J'ai juste confirmé qu'elle, moi, m'a dit, elle ne peut pas dire c'est faux. Elle ne peut pas dire c'est faux. Qu'elle ne m'a pas dit. Et comme vous, là, dans votre domaine, là, dans vos groupes, là, vous, tout est possible. C'est pourquoi j'ai préféré qu'elle juge la tête de son fils, de son enfant, plutôt qu'elle est là. Puis avec vous, tout est possible. Vous pouvez dire quelque chose tout de suite, là, une seconde plus tard, et puis vous allez dire, non, hein, je n'ai pas dit ça. Non, c'est quoi j'ai dit? Elle a juré sur la tête de son nouveau-né. C'est laquelle de ça? Non, si, pourquoi moi, elle ne m'a pas dit ça? Toi, tu es sa confidente. Tu es sa confidente. Toi, tu te donnes un peu trop d'importance sur les réseaux sociaux. Quoi. Non, c'est toi toujours. Non, c'est moi qui ai fait ceci à telle personne. C'est moi qui ai fait telle... Toi, tu m'as présenté à qui? Toi, tu m'as présenté déjà à qui? Toi, tu peux présenter quelqu'un à quelqu'un? Toi qui es égocentrique, égoïste, tu peux présenter quelqu'un à quelqu'un? Vraiment, elle est trop durée. 1h06. Non, je n'avais pas prévu faire une vidéo aussi longue comme ça. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui. Et on a demain. Ciao.